Cela est survenu la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973, quand Mohamed Seynigué dit avoir vu descendre du ciel une mosquée vacillant comme un papier, et il reçut l'ordre selon le guide religieux de la suivre pour voir où est-ce qu'elle allait se poser. Et c'est ici, sur la baie de Wakam, qu'il est apparu sous forme de maquette. Il vit aussi en rêve, inscrite sur la porte droite, « Allahu Akbar, tu es grand ». Sayyidina ya Rasulullah.